Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, réellement, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler soudure. Et ouais, je vous présente aujourd'hui le petit... C'est pas écrit là. Le petit TS100. 12 en 1, et ouais, 12 en 1. Pourquoi 12 en 1? Parce que moi, j'ai préféré prendre la petite mallette complète plutôt que de devoir acheter des pannes au fur et à mesure. Là, vous allez voir, le kit, il est super complet. Pourquoi j'ai sorti quelques petites choses? Parce que, ben, vous le savez, je vais petit à petit faire du high-tech. Pas forcément arrêter les drones, pas du tout, puisque c'est ma passion avant tout. Mais étant fan aussi de high-tech, il m'arrive de commander des choses ou de vouloir tester certains appareils qui me plaisent avant tout et qui peuvent me servir. Que ce soit pour le drone ou pas. Donc, je vous avais parlé des petites oreillettes Bluetooth, les Blitzwolf. On va bientôt voir également un casque Bluetooth de chez Mixeder. Casque Bluetooth super sympa, vous allez voir. Moi, c'était plus pour la télé le soir, etc. Mais il s'avère qu'il va me servir pour plein d'autres choses. Également, une petite alarme de maison, la Digoo DG AMA. Alors ça, excellent. Je voulais une alarme chez moi. Et ouais, ça va être compliqué maintenant de venir m'embêter. Donc, je voulais tester ces petites alarmes qui sont vraiment pas chères. Plutôt que de passer par un fournisseur qu'on voit à la publicité à la télé. Et ben écoutez, bientôt je vous parlerai de la Digoo DG AMA, petite alarme de maison qui est franchement vraiment très sympa aussi. Revenons-en à nos moutons, aujourd'hui on va parler soudure avec le petit TS100. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors on a tout de suite une petite boîte métallique. Alors bien sûr, on va faire un peu de soudure. Je vais vous donner 2-3 petits trucs pour souder plusieurs appareils différents. Plusieurs configurations de soudure. Sinon, dans la boîte, hop, vous avez également une petite pochette comme ça, avec la notice. Alors ça, c'est un démarrage rapide, tout simplement, qui vous montre les différentes parties de l'appareil et qui vous donne également un tableau de puissance, puisque ce fer à souder, vous allez pouvoir l'alimenter en 12 volts, 16 volts, 19 volts ou 24 volts. Et à chaque fois, vous aurez une puissance en watts différentes. Par exemple, je ne sais pas si vous le verrez sur le tableau, mais en 12 volts, vous allez monter à 17 watts et en 24 volts à 65 watts. Et ce qui va changer aussi la vitesse de chauffe, parce que la particularité de ce petit TS100, c'est de monter en température et de descendre en température à une vitesse folle. C'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionné. Bref, et vous avez également la petite notice. Alors, c'est en anglais, bien sûr. On peut trouver des traductions sur le net, je crois. Voilà, donc la petite notice, super bien expliquée, avec toutes les fonctions de l'appareil, mais vous allez voir, tout se fait avec 2 boutons. C'est assez simple. Tac, donc c'est rangé, on va faire de la place parce que je vais sortir du matos. Alors sinon, voilà donc ce petit TS100, j'ouvre la boîte, et voilà le petit kit complet. Alors vous aurez avec, bien sûr, la petite clé BTR. Alors moi, l'astuce, plutôt que de le mettre dans une petite pochette, parce que normalement c'est dans la petite pochette qui est là-dessous, avec 2 petites vis de rechange au cas où vous perdriez une petite vis de l'appareil, et vous avez la petite clé dedans, un trou dans la mousse, et votre clé est plus facile d'accès, tout simplement. Alors on va avoir un des avantages de ce petit TS100, c'est un câble XT60 pour pouvoir l'utiliser un peu partout, en nomade, à l'extérieur, avec simplement une batterie en XT60. Donc de 12 à 24 volts, donc de 3S à 6S sans problème. On va avoir un petit socle comme ça. Alors ça paye pas de mine, ça a pas l'air comme ça, mais on a un petit fond en liège et le truc est en céramique. Vous voyez le poids que ça fait, c'est pas du plastique, donc c'est assez lourd, c'est bien stable. Et le petit support ici, un petit endroit de force, vous voyez, tac, ici, pour pas se replier tout seul. Et c'est bien suffisant pour poser l'appareil, tout simplement. Ça tient même dans des petites cases de, de tapis comme ça. Très sympa ces petits tapis. Tiens, si j'y pense, je vous mettrai des liens qui correspondent un petit peu au matériel que j'utilise pour souder, bien sûr. Donc ensuite, on voit qu'on a une petite éponge de rechange. Alors moi, j'ai pas utilisé l'éponge puisque j'ai mon bloc avec mon éponge, mais super pratique d'avoir cette petite éponge à chaque soudure. Personnellement, à chaque fois que je fais une soudure et que je termine ma soudure, un petit coup sur l'éponge avant de rattaquer une nouvelle soudure pour partir avec une panne propre. Sinon, vous pouvez enchaîner des soudures, bien sûr, mais dès que je pose mon fer, je l'essuie généralement. Alors ensuite, on voit qu'on a 9 pannes différentes.
Alors là, vous avez toutes sortes de pannes. Alors, pour aller de la plus grosse, qui est celle-ci, vous voyez, je pense que vous le verrez sur la caméra, avec un angle à 45 degrés, une grosse tête ronde, donc pratique pour les grosses soudures. Et on va aller, alors on a plusieurs coupes, hein. On a la coupe en biseau, ici, comme ça. Vous voyez, toujours à 45 degrés, mais pointu. On a de la panne fine, juste en pointe. Alors ça, c'est celle que j'utilise le plus. Hop, celle-ci, vous voyez. Donc là, c'est de la pointe qui fait un millimètre au bout. Et on a plus fin, on a même beaucoup plus fin. Regardez, vous avez deux pointes ultra fines qui sont celles-ci. Donc une pointe de base, ronde, fine, et une pointe légèrement biseautée. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Enfin bref, je vous mettrai peut-être une incrustation d'image d'une photo avec les petites pointes. Et alors là, vous pouvez travailler de la soudure hyper fine, genre sur les petites cartes 20 par 20. C'est vraiment le top. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut au niveau des pannes dans ce petit kit. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit de la plus petite soudure jusqu'à la XT60 par exemple. Si vous laissez souder une XT60 avec ça, vous pouvez y arriver, mais c'est un peu plus galère, je pense. Et on voit que celles-ci aussi ont des espèces de répartiseurs de chaleur ici, parce que les pointes sont ultra fines. Donc c'est les deux seules qui ont ce petit chose là. Alors la grosse particularité de ces pannes, je vais sortir celle-là pour l'utiliser, c'est qu'elles sont ultra courtes. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'une fois que c'est branché, vous allez pouvoir, et une fois que c'est en chauffe, vous allez pouvoir toucher cette partie métallique-là, jusqu'à cette partie métallique-là aussi. Il n'y a qu'ici, qu'il ne faut pas toucher, bien sûr, parce que ça brûle. Mais même si vous glissez un peu sur le fer et que vous touchez les parties métalliques qui sont jusque-là, vous ne risquez absolument rien, c'est absolument pas chaud. Et encore une fois, ça chauffe à une vitesse impressionnante. Bref, on en arrive à notre petit fer en lui-même. Donc voilà le petit TS100. Tiens, je vais en profiter pour retirer la petite protection. Voilà. Et donc voilà ce petit TS100 ultra léger, bourré d'électronique et franchement hyper surprenant au niveau de l'utilisation. Donc très léger, prend pas de place et hyper performant, quoi. C'est ce qui m'a trouvé le mais voilà, j'étais content. Vous savez que mon fer à souder m'a lâché, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc j'en avais un en attendant, un gros bourzi, mais franchement pas l'idéal pour les petites soudures. Et il fallait vraiment que j'investisse. Mais bon, celui que j'avais acheté à 7 ou 8 euros, je crois, m'a fait plus d'un an et demi. Et il a bien fonctionné longtemps. Hein, et puis je l'ai fait tomber quelques fois, donc ça n'a pas aidé, je pense. Bref, comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, c'est tout simple. On va tout d'abord installer une panne. Donc je fais hop un demi-tour avec la devise du dessus, ici. Et on va venir se clipser à l'intérieur. Tac, jusqu'au bout, et ensuite on va serrer légèrement jusqu'au blocage, et notre petit fer à souder est prêt. Je referme ma boîte. Voilà, alors comment on va l'alimenter? Alors, deux solutions, même plusieurs, puisque ça peut aller sur un allume-cigare, etc. C'est une prise AC de base en 5,5, je crois, 5,25, enfin, c'est du standard. Ce qu'on peut trouver un petit peu partout, ce que j'ai d'ailleurs sur mon chargeur, je vous l'avais présenté, ça, je vous remettrai le lien, parce que je crois qu'il est en promo sur Banggood. Merci Banggood, merci Mariette pour le petit prix que tu m'as fait sur ce petit TS100. Donc je vous montre comment ça s'alimente. Alors de base, c'est avec une batterie, donc vous avez ici votre XT60, c'est pas compliqué. Donc là c'est une 4S que j'ai mise, et on branche, et automatiquement on a la version du produit qui s'affiche. Voilà, et là on nous dit, donc là il ne chauffe pas, vous voyez, je peux mettre les doigts dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune chauffe qui se fait, il est en stand-by. Alors vous avez deux stand-by, hein. Vous avez le stand-by où il se met en veille, on va appeler ça la veille, et vous avez le stand-by où il va se mettre à une température d'environ 200 degrés, enfin ça vous pouvez le régler, vous pouvez tout régler. Alors pour les réglages, vous allez voir, on peut avoir accès à tout le menu à partir directement des boutons qui sont sur le fer à souder, mais vous pouvez avoir accès au menu par l'USB. On voit sur le dessus ici, vous avez un branchement micro USB que vous pouvez relier au PC, et par le PC, vous avez accès directement à tous les réglages que vous pouvez programmer. Donc la température de mise en veille, le temps de mise en veille, le temps de mise en stand-by, la température du stand-by, la température max, enfin la température que vous voulez de base quand vous le mettez en route. Moi je l'ai réglé sur 330 degrés, on peut monter jusqu'à 400 degrés. Et vous pouvez tout faire par le PC, une bonne fois pour toutes. Mais vous pouvez le faire directement
par l'engin, c'est bien plus pratique, mais ça veut dire qu'on peut aussi avoir des mises à jour sur ce petit appareil. Donc là, on voit qu'il est en stand-by, on nous dit de presser ici pour la mise en route, on va d'abord aller dans les paramètres. Hein, donc regardez, c'est assez simple, vous avez le bouton de droite ici, voilà. Donc là, on est branché sur une 14 volts 78, 77, 14 volts 7, elle est en charge, elle est en stockage, donc c'est pour ça qu'on n'est pas à fond. Donc 14 volts 7 et température intérieure 27, 28 degrés, parce que je l'ai dans les mains, certainement. Ensuite, si on continue ici, une fois qu'on est dans le menu, à droite, Factory Reset, on peut aller sur la gauche, une fois qu'on est dans le menu, ici. Là, on vous demande si vous êtes droitier ou gaucher. Donc je maintiens ici. Et qu'est-ce que ça change? Ça change simplement que ça va inverser l'affichage pour les gauchers, tout bêtement. Donc moi, je suis droitier. Je le remets, je maintiens et je mets droitier. Voilà. Donc là, j'attends que ça se valide. Ça prend 3 secondes. Je continue. Température Celsius ou Fahrenheit. Ça, on maintient si on veut changer. Celsius ou Fahrenheit. Donc nous, on va laisser en degrés Celsius. Je laisse valider. Ensuite, on continue à descendre. Alors, off volt 10. Ça, c'est le minimum du voltage pour que l'appareil se mette en veille. Ben oui, selon le type de batterie, là c'est programmé pour une batterie 3S, par exemple, puisque vous pouvez régler ce stand-by entre 9 volts et 12 volts. Donc pensez à l'alimenter avec une 3S et pas avec une 4S, puisqu'on peut le régler qu'à 12 volts maximum pour qu'il se mette en veille. Donc vous allez décharger votre batterie plus loin qu'il ne faut si c'est une 4S, mais avec une 3S, vous pouvez régler à 10,5 volts, donc c'est pas compliqué. On va retourner off volt, on maintient, voilà, et là je vais régler à 10,5 volts pour une batterie 3S par exemple. Je laisse valider, tac, je continue. Température step, donc de 10 en 10, je maintiens, ou ça peut aller jusqu'à 25 je crois. Donc ça c'est si vous voulez monter les températures à chaque pression de 25 degrés. Moi je laisse de 10 en 10, voilà, c'est d'origine de 10 en 10, je valide. Donc c'est température step. Ensuite idle time 360, donc c'est 360 secondes, c'est-à-dire 6 minutes, il va se mettre en veille et s'éteindre. Si on continue, donc ça vous pouvez le régler aussi, hein, bien sûr. Ensuite on a sleep time, donc 180, donc là 3 minutes avant qu'il se mette en mode standby, donc qui passe à 200 degrés au lieu de vos 300 ou 400 degrés de travail. Donc là vous pouvez le régler aussi, le temps bien sûr. Toujours de la même façon, on maintient un des deux boutons et on change. Ensuite on a la température du standby, donc je vous disais 200 degrés. Voilà, ça il va se régler à 200 degrés, donc il ne va pas s'éteindre. Au bout de 3 minutes, au lieu d'être à 300 ou 400 degrés votre température de travail, il va se mettre à 200 degrés. Et dès que vous allez le reprendre, une pression, paf, et en 4-5 secondes, il est prêt à retravailler. Donc 200 degrés, c'est pas mal, je ne le change pas. Donc température de travail, 330, moi c'est celle que j'ai réglée, donc on maintient ici et vous pouvez changer votre température de travail jusqu'à 400 degrés. Moi j'aime bien commencer à 330, c'est la base, c'est la moyenne généralement. Je valide et ensuite Factory Reset. Donc voilà, on a fait le tour du menu. Voilà tout ce que vous pouvez régler de base. Donc maintenant, on va le mettre en route. Donc je presse le bouton avant un coup et on va compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondes pour être à 330 degrés avec une batterie 4S. Ça veut dire que si je le branche en 24 volts, là je vais le remettre en stand-by, je maintiens les deux, voilà, et je vais le débrancher, et on va s'alimenter en 24 volts ici. Tac, je passe en 24 volts, je l'alimente, voilà, donc si je vais à droite, là il va bien me montrer qu'on est en 24 volts. Et la température de la panne est actuellement à 260, voyez, à la vitesse où ça descend. Ici, 250. Donc on va le laisser redescendre un petit peu, je vais sortir du matos, on va le laisser redescendre à zéro. Donc voilà, ma petite mallette achetée à Action, 3,50€. Franchement, bonne affaire, une mallette double. Je vous mets pas le lien, c'était à Action. Tout ça pour vous montrer simplement, voilà.
vous aurez forcément besoin de jonction de fil et de gaine thermo. Donc tout un petit assortiment de gaine thermo, c'est l'indispensable pour les soudures. Et sinon, voilà le petit matériel que je vous recommande. Donc pas tout ça, bien sûr. Ici, ma petite patte à fixe, indispensable, vous le savez, je me sers que de ça. Le troisième main, c'est bien, la troisième main, mais moi perso, je préfère la patte à fixe, c'est bien plus facile. Alors ça, c'est une sorte de paille de fer pour nettoyer votre panne quand elle est un petit peu usée ou bien crade. Sinon, je l'utilise rarement, hein. C'est vraiment quand les pannes sont crades. Ici, j'ai un petit peu de flux. Donc ça, je l'utilise plus pour les grosses soudures. C'est une petite pâte à flux, ça coûte pas cher. Une petite crème que vous mettez sur l'endroit que vous allez souder. Ça permet de mieux répartir la chaleur. Donc bien sûr, du fil à souder. On va avoir besoin. Moi, j'utilise souvent du 0,80 ou 1 mm. C'est voilà, selon les soudures. Quand c'est du bon câble, je prends du 1 mm. Quand c'est pour utiliser sur des petites cartes de vol ou des ESC, c'est du 0,80. Ça, c'est de la tresse à dessouder. Donc c'est soit ça, soit la petite pompe, bien pratique. Si vous ratez une soudure, vous chauffez votre soudure, vous armez votre pompe, vous placez sur votre soudure, vous chauffez et hop, ça aspire la soudure qu'il y a en trop. Donc ça suffit si vous faites une boulette. Et sinon la tresse à dessouder, alors ça c'est un peu le même principe, c'est pour retirer de la soudure superflue. Si vous faites un contact entre deux pads que vous ne vouliez pas, vous placez votre tresse à dessouder sur les soudures, sur l'étain que vous voulez retirer, et vous chauffez sur la tresse à dessouder, voire même vous apportez un petit peu d'étain sur la tresse à dessouder, et ça va boire et absorber l'étain, et vous remontez pendant que c'est chaud, et l'étain va se bloquer, vous voyez, comme ici, j'ai de l'étain de coincé à l'intérieur. Donc ça, c'est de la tresse à dessouder, c'est bien pratique. Donc voilà, la base, sinon, un petit peu d'étain, une pâte à fixe, indispensable, sinon, et puis la petite éponge, bien sûr, et vous pouvez commencer à souder. Après, moi, j'ai des petits câbles, des petites prises, mais ça, c'est mon petit matos. Alors, est-ce qu'on est redescendu? Voilà, on est redescendu à 80 degrés. Donc là, bien sûr, on peut y toucher, hein, y a pas de souci. Donc maintenant, je vais le remettre en route. On est donc en 24 volts. Ah, mais si je le mets en route, on est à 80 degrés, c'est de la triche. Donc je vais mettre une panne neuve. Voilà. Voilà, donc j'ai mis une panne neuve ici. Et donc on est à 32 degrés. Donc on va lancer. Donc je suis en 24 volts. Donc j'allume l'appareil, simplement une pression à gauche, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peine 11, et je suis à 330 degrés. Donc vous voyez, à peu près 10 secondes pour atteindre les 330 degrés, c'est hyper impressionnant, et comme je vous disais, je peux le tenir ici, sur la ferraille, jusque là, sans problème, à 330 degrés. Moi, je ne ressens aucune chaleur, aucune température. Je n'ai pas les doigts en téflon. Et par contre, je vous conseille pas de toucher à cet endroit-là. Je mouille un peu mon doigt. Voilà, là, c'est chaud. Mais donc, c'est l'avantage. Même si vous venez mordre un petit peu sur la partie métallique, vous ne vous brûlerez pas. Il faut vraiment venir très loin pour se brûler, comme un stylo. Mais donc, assez sécurisant quand même. Donc, il se pose pas trop mal sur sa petite surface. Vu qu'il est très fin, il peut même se poser à même. Vous voyez, je le pose sur ma moquette et il ne touche pas dans n'importe quel sens. Donc, même à plat, ça irait parfaitement, mais donc il a sa petite base ici pour pouvoir le poser tranquillement. Pour la première fois, on va mouiller la petite éponge. Tup. Voilà, c'est pas la peine que ce soit plein de flotte, hein. Juste bien humidifié, et on va pouvoir attaquer une petite soudure. Donc j'ai remis ma petite panne de base, tac. On va commencer par souder un ESC. Alors on va prendre un câble de moteur et je vais vous montrer le flux pendant qu'on y est. Donc par exemple, on va venir souder celle-ci. Donc je prends un petit peu de flux que je mets sur mon ESC et on va venir déjà étamer l'ESC. Alors pour ce faire, donc là on est bien à 330 degrés, on va venir chauffer l'ESC
Donc je mets un peu à plat, ici, je pourrais prendre une panne plus grosse, et je vais venir apporter. Voilà. Et ensuite, je viens sur tout le SC. Voilà, une belle soudure doit être brillante, bombée. Vous voyez, j'en joue encore les trous, je peux en rajouter un petit peu. Voilà, je vais bien venir chercher tout le SC. Et là, vous voyez, on a bien soudé, on a bien mis la soudure comme il faut sur toute la partie de l'ESC. Là, il est assez gros. On va prendre un câble. Donc, avant de souder, il faut mettre bien sûr de l'étain également sur le câble. Donc là, pâte à fixe, encore une fois. Voilà. On va venir. Je vais venir mettre mon fer à souder sous le câble, ici. J'apporte un petit peu de matière. Voilà. Tac. Et j'ai une belle bulle d'étain sur mon câble. Je replace mon ESC. Et là, soit en le tenant à la main, soit avec une pince à épiler, vous allez venir maintenir votre... Là, je vais prendre mon tournevis, ça ira. Vous allez venir placer votre fil à souder et vous maintenez votre câble avec une pince à épiler, c'est plus facile, comme ça. Et ensuite, vous posez tout simplement votre fer à souder dessus pour faire rentrer le câble dans la soudure. Regardez, là on va le faire ici. Donc je vais le poser dessus et je vais simplement un petit coup sur l'éponge. Voilà. Et je vais simplement venir poser mon fer sur le fil ici jusqu'à faire rentrer le câble directement dans la soudure. Donc là on est bon, tout simplement. Donc ça c'est pour souder sur un pad. Si on a des plus petits travaux à faire, bien sûr, à chaque fois qu'on veut souder, il faut déjà préparer les pads, donc soit avec du flux, soit directement. On chauffe le pad qu'on veut souder, on apporte un peu de soudure. Voilà, tout simplement. On chauffe, on apporte un peu de soudure. Voilà. Alors par exemple, vous voyez, on va dire que là, je vais mettre un peu trop de matière. Je vais utiliser une petite pompe. Donc là, je pense que vous le verrez. Vous voyez, j'ai une grosse bulle là. Donc je prépare ma pompe, je l'arme, je vais la placer juste au-dessus de la soudure. Je chauffe. Et quand ça ramollit, tac, et voilà. Et là, j'ai carrément retiré le surplus de soudure que j'avais. Donc pareil, si vous avez des pads comme ceci ou là, ben je vais le faire sur le gros, vous le verrez mieux. Regardez. Là par exemple, je vais apporter de la soudure sur ce pad. Voilà. Et comme je suis pas très doué, je vais en mettre sur l'autre et je vais relier les deux. Voilà, et là, belle boulette, les ESC sont collés. Donc dans ces cas-là, on utilise une petite pompe, par exemple. Hop, on va venir la placer où on veut retirer la soudure. On chauffe. Et on aspire, vous voyez. Et là, j'ai retiré la soudure qu'il y avait sur un pad. On peut faire la même chose sur le deuxième. Bien chauffé, dès que c'est liquide, tac, et voilà. Donc de temps en temps, il faut vider. Et des beaux petits bâtonnets de soudure. Et vous pouvez recommencer jusqu'à le faire un peu plus propre. Voilà, et là on a les deux pads qui sont prêts à ressouder. Si vous voulez par exemple souder deux fils entre eux, hop, je prends mon bout de pâte à fixe ici, et on va prendre ces deux fils là. Sont assez fins. Je vais les récupérer. Voilà. Et on va déjà les préparer. Donc en imaginant qu'on veuille les raccorder pour faire propre. Alors moi j'ai toujours un peu d'ongles
bien pratique. J'hésite pas à dénuder environ 4-5 mm sur les deux fils. Je vais mettre bien sûr de l'étain sur mes deux fils. Alors il y a plusieurs solutions. Il y en a qui aiment bien. Vous voyez, je soulève mon fil avec ma panne, hop, et je rajoute un peu de soudure. Voilà. Pas trop, c'est pas la peine. Je nettoie. Alors il y a deux écoles, hein. Il y en a qui préfèrent tresser les fils entre eux avant de mettre la soudure et ensuite souder les deux. Moi je préfère rajouter un petit peu comme ça, j'aime bien faire des choses fines. Donc ensuite, bien sûr, si vos fils ils sont reliés à quelque chose, pensez à passer votre gaine thermo tout de suite, bien sûr, pour pouvoir fermer après votre soudure. Et sinon ensuite, moi j'aime bien travailler comme ça. Alors soit vous prenez deux morceaux de pâte à fixe. Moi j'aime bien moi je le fais différemment, hein. Mais soit vous prenez deux morceaux de pâte à fixe comme ça et vous allez pouvoir amener vos deux câbles l'un sur l'autre ici, soit vous mettez un câble sur la pâte à fixe et l'autre vous le tenez avec la main. Voilà, et une fois que les deux sont bien collés ici, je vais venir amener mon fer. Voilà. Tout simplement, ne soufflez pas sur une soudure, laissez-la sécher toute seule. Et voilà, et là on a soudé les deux câbles bien propres. Et l'avantage, c'est quand vous allez mettre votre gaine thermo, vous n'avez pas de surépaisseur. Donc chose que vous pouvez faire aussi, je vous ai dit, vous pouvez tresser les deux fils ensemble, bien sûr. Et ensuite, vous passez un petit peu de soudure dessus sur les deux fils en même temps. Vous les retendez. Oh, est-ce que je vous montre? Regardez. Alors soit vous dénudez avec les ongles comme ça, soit vous dénudez avec un briquet. Moi je le fais souvent ça. Toujours avoir le briquet sous la main pour dénuder ou pour mettre de la gaine thermo. Vous voyez, si je veux dénuder ce bout de fil et que j'ai pas d'ongle, je vais chauffer tout simplement la gaine et vous tirez. Et voilà, c'est dégainé comme on dit. C'est plus fin, même pour les tout petits fils, c'est bien plus pratique qu'une pince à dénuder. Donc je vous disais la deuxième méthode, la tresse. Donc là, vous passez votre gaine thermo, ensuite vous tressez vos deux câbles ici, voilà, et une fois que c'est fait, je place mon fer à souder en dessous et je pousse comme d'habitude pour bien faire contact, et là je vais ajouter tout simplement mon étain. Et voilà, et là vous avez une soudure bien costaud aussi. Donc après, une fois que votre gaine thermo est passée, vous repliez un côté de la soudure, peu importe lequel, voilà, comme ça, et vous passez votre gaine thermo, tout simplement. Et voilà, et vous avez fait un rond. Donc voilà, des petites méthodes de soudure assez simples. Écoutez, s'il y a des questions dans les commentaires, bien sûr, je vais pouvoir l'éteindre, je maintiens, voilà. Génial, franchement génial ce petit fer. Je pense à le nettoyer pendant qu'il est chaud. Alors pour si vous reste un peu d'étain dessus, c'est pas très grave, vous pouvez laisser. Donc moi je nettoie bien comme il faut. Donc la paille, si on veut gratter un peu, si vous avez un petit peu de noir dessus, mais très léger. Voilà. Entretenez vos pannes si vous voulez qu'elles durent longtemps. Nettoyage avec un peu d'alcool, une fois qu'elle est froide, un petit peu d'alcool et séché. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Si vous les essuyez bien au fur et à mesure, il n'y a pas de raison. Et puis, pas forcément super chaud. Allez pas jusqu'à 400 degrés, c'est pas la peine. Ou alors, à moins que ce soit de la grosse soudure. Mais même un XT60 à 330-350 degrés, ça le fait. Vous voulez qu'on soude un XT60? Allez, tiens, on voilà un qui est pas beau. Moi, ce que j'aime bien faire, ce que je faisais au début, c'est que je mettais dedans une prise également, parce que si vous chauffez trop ici, vous n'avez pas l'habitude, les prises vont pouvoir faire fondre un peu le plastique et les prises vont se décaler. Donc si vous pouvez, si vous avez une prise mâle pour mettre dans la femelle, et ben écoutez, faites-le, ça évitera que les prises bougent. Ensuite on va venir se caler toujours dans la pâte à fixe, on remonte à 330, je vais même mettre 350 là, donc je maintiens, tac, 40-50 et je laisse. Donc là j'ai un peu de soudure dedans, donc je vais venir à l'intérieur. Sinon vous venez vous chauffer
l'intérieur de votre XT60. On peut ajouter un peu de soudure pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, ça permet de récupérer l'ancien étain qui est dedans. Voilà, et j'ajoute mon étain. Tout simplement, je ne fais pas une grosse bulle puisque je vais rajouter le câble après. Ici, on va se prendre un gros câble, comme celui-ci par exemple. Donc là, il y a de la soudure. Donc vous le savez, hein, c'est pas compliqué. Là, il faut un petit cutter ou parce qu'à la main, c'est pas facile. Un petit cutter. Tac, je fais tourner le fil. Voilà. Ensuite, je tresse un petit peu. Pas je stresse, hein, je tresse. Je bloque mon câble. Je soulève. Et je viens apporter de la soudure. D'abord sur le fer et ensuite directement. Alors attendez, j'ai pas bien bloqué mon câble. Voilà. Donc hop, je soulève. Ici, j'apporte ma soudure. Je soulève pour être bien en contact avec le câble. Voilà. Et ensuite, la soudure, je peux l'amener directement sur le câble une fois qu'il est chaud. Voilà. Donc là, on a ajouté, on a préparé notre câble. Maintenant, je repose l'XT60. L'avantage de la pâte à fixe, c'est qu'on peut la mettre dans tous les sens. Donc je chauffe en priorité la soudure de la XT60. J'amène mon câble dessus. Et ensuite, je pose sur le câble. Voilà, jusqu'à ce qu'il rentre dans la prise. Et je laisse sécher. Voilà. Tac. Et nous avons mis notre XT60 proprement. Il n'y a plus qu'à mettre de la gaine thermo, bien sûr. Donc voilà pour les petits conseils et astuces pour la soudure. J'espère que vous en sortirez. En attendant, avoir un bon outil, c'est vraiment indispensable et ça facilite la vie. Au moins, votre fer est prêt rapidement et vous savez à quelle température vous êtes. Contrairement à d'autres où il y a un petit vario, c'est pas évident. Ou alors il faut une station de soudure directement. Donc voilà pour ce petit TS100 12 en 1. Franchement, le top pour ceux qui veulent se mettre à la soudure. Alors je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo du TS100 vendu. Il est vendu entre 30 et 40 euros, je crois, en promo, avec une seule panne. Et puis vous pouvez racheter les pannes que vous voulez simplement à rajouter dessus. Moi j'ai opté pour ce petit coffret, comme ça j'ai tout l'attirail de pannes qui est tout prêt. Mais on peut tout à fait trouver le petit TS100 beaucoup moins cher. On n'est pas obligé de mettre 100 euros bien sûr. Et évidemment, je vous mettrai des petits coupons si j'en ai dans la description avec. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, c'est dans la description. C'est dans les commentaires, pardon. Et puis sinon, bah nous, on se retrouve très bientôt en vol. Beaucoup de choses à venir. Des concours, des drones, des racers à gagner. Et une petite surprise avec nos amis, je pense, We Are FPV. On en reparlera bientôt. Mais il va y avoir un petit truc sympatoche. Bref, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!